Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui. Nous allons découvrir plus sur l'Arctique, l'impact de la neige et d'autres travaux de Savoir Polaire Canada. Je m'appelle Jill et je serai votre animatrice d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous pendant les 40 minutes. On a un invité spécial avec nous cet après-midi, Alex Mavrovic, un scientifique exceptionnel. Vous pouvez nous envoyer des questions et des commentaires en direct dans le chat ou sur les commentaires sur YouTube. Nous, on adore la discussion ici et Alex, surtout, a hâte de recevoir vos questions. Aujourd'hui, on a aussi un Kahoot. Alors, vous pouvez vous joindre sur kahoot.it avec le code 841-5504 et on va jouer après la présentation d'Alex. Alors, prêtez bien attention pour pouvoir répondre aux questions et gagner des points. On est ici aujourd'hui grâce à Exploring by the Seat of Your Pants, qui fait vivre la science, l'exploration, l'aventure et la conservation dans les salles de classe grâce à des conférenciers invités virtuels et des visites sur le terrain avec des experts du premier plan du monde entier. Mieux encore, ce qu'ils font est et sera toujours gratuit pour les salles de classe du monde entier. Alors, avec ceci, on passe directement à notre invité spécial. Encore une fois, prêtez bien attention, car vous aurez aussi l'occasion de lui poser des questions dans quelques minutes. Alex Mavrovic est un scientifique travaillant pour Savoir Polaire Canada, l'organisme fédéral responsable de renforcer le leadership du Canada en matière de science et technologie polaire. Alex a participé à de nombreuses expéditions scientifiques en Arctique, incluant les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Finlande et l'océan Arctique. Il a développé une expertise dans l'étude des environnements polaires, étudiant présentement l'impact de la neige, la végétation et les propriétés du sol sur les émissions de CO2 en hiver. Ses travaux s'appuient sur une combinaison d'imagerie satellitaire, de déploiement d'instruments météorologiques et d'expéditions scientifiques. Ces travaux ont pour objectif d'améliorer notre compréhension de la dynamique des environnements polaires et ainsi être plus apte à prédire l'évolution de ces environnements dans un climat en changement. Alors, je dois dire bienvenue Alex. Merci beaucoup, Jill. J'apprécie beaucoup l'invitation que vous m'avez offerte. Là. Et bonjour à tous dans les salles de classe. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter mon travail en tant que scientifique étudiant les environnements arctiques pour Savoir Polaire Canada. Je travaille aussi beaucoup avec le Centre d'études nordiques du Québec. Alors, on va essayer de démystifier un peu tout ça. C'est quoi qu'on fait comme travail en Arctique dans le cadre de nos recherches? Puis d'abord, commençons par démystifier, c'est quoi l'Arctique canadien? L'Arctique canadien, vous avez probablement déjà entendu ce mot-là, ça doit vous devez l'associer au nord, vous avez raison, au froid aussi, il fait très froid en Arctique, l'hiver dure très, très, très longtemps, mais on a aussi des particularités très importantes comme le pergélisol qui est présent sur presque tout le territoire arctique. Le pergélisol, c'est du sol qui est gelé toute l'année. En fait, non seulement il est gelé toute l'année, mais c'est du sol qui est gelé depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ça fait très, très longtemps qu'il est gelé, il ne dégèle jamais. C'est très, très important pour l'Arctique. On a aussi une végétation qui est très typique de la toundra arctique. C'est en fait une végétation qui est très minimale. On n'a pas d'arbres en Arctique, il fait trop froid, l'été n'est pas assez long, donc la végétation ne pousse pas beaucoup. On a quand même un beau duvet sur le sol là, de végétation très, très basse, de mousse, de lichen. Ça peut être très coloré, très joli, comme on le voit sur l'image. On n'a pas d'arbres, on n'a pas de grande végétation, parfois des petits arbustes, mais ça se limite pas mal à ça. L'Arctique, c'est aussi très, très grand. C'est un immense territoire, là. En fait, ça couvre à peu près 40 % de tout le territoire canadien. Même si la majorité des Canadiens, on n'ira jamais mettre les pieds là, à cause que c'est très difficile d'accès, se rendre là-bas. Moi, je vous parle aujourd'hui de Sherbrooke, au Québec. Là. C'est ici que je travaille la majorité de l'année. Mais fréquemment, je suis amené à amener des expéditions scientifiques pour aller en Arctique. On les prépare longtemps d'avance. Les principaux endroits où je vais ces temps-ci, c'est Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest.
et Cambridge Bay au Nunavut. Donc, on est vraiment dans l'Arctique. Les ondes en bleu foncé que vous voyez sur la map, là, c'est les ondes, on a du pergélisol, comme je vous parlais, du sol qui ne dégèle jamais. On a une ligne verte aussi qui passe, qu'on appelle la ligne des arbres. En haut de cette ligne-là, vous n'avez pas d'arbres. Il fait trop froid, comme je l'expliquais. Donc, la végétation est très, très minimale. Nous, on se déplace sur ces territoires-là qui sont très peu densément peuplés. Il y a pas beaucoup de... Le territoire est immense, puis pour la grandeur du territoire, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, il y a des très grandes distances entre les villes et villages dans le nord. Mais il y a des gens qui vivent là. Il y a même des gens qui vivent là depuis très, très, très longtemps, depuis des générations, depuis des centaines, voire des milliers d'années. C'est des familles qui vivent en Arctique depuis plus longtemps que le Canada existe, pour vous donner une idée. Ils s'appellent les Inuits. On a longtemps été chez eux pour faire de la science sans leur demander leur avis. Ça, c'était pas bien. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Puis aujourd'hui, Savoir Polaire Canada travaille de plus en plus avec eux parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce qu'ils connaissent très bien leur territoire. Eux, ils vivent là depuis très longtemps. Donc, c'est très utile là, on a des belles collaborations avec. L'Arctique, c'est dynamique. Hein? Ça change constamment. Ici, vous avez une vue de la Terre un peu différente de ce que vous avez l'habitude. On est au-dessus du pôle Nord présentement. Puis on voit là, durant une année, là, 2011 dans le cas-ci, dans ce cas-ci, la neige, la couverture de neige terrestre qui augmente durant l'hiver, hein, s'étend davantage et puis rétrécit durant l'été. Remarquez que même durant l'été, là, au minimum, il reste quand même de la neige dans les régions les plus nordiques, de la neige des glaciers. Mais ça, c'est en train de changer rapidement dû au changement climatique. Là, on a plusieurs phénomènes qui se produisent. Déjà, on a moins de neige qu'avant. L'hiver devient un peu plus court. Le pergélisol dégèle. Donc, ce sol-là qui est gelé depuis des milliers d'années commence à dégeler. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe réellement, là, tangiblement, parce que le territoire est très grand et il y a peu de personnes qui y habitent là, pour la grandeur du territoire. Donc, pour comprendre et savoir ce qui se passe en Arctique, il faut y aller. Et puis, c'est là qu'on va organiser des expéditions scientifiques, qu'on va rassembler là, quelques amis qui se connaissent bien en Arctique et qu'on va partir ensemble pour aller récolter des données, c'est de savoir ce qui se passe en Arctique. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous amener avec moi à travers une expédition typique. La majorité de ce que je vais vous présenter va être tirée du travail que j'ai fait à Inuvik, que je vous montrais sur la carte un peu plus tôt l'hiver dernier. Donc d'abord, comment est-ce qu'on fait pour aller là-bas? Il va falloir prendre l'avion, on n'a pas le choix, pour se rendre le plus au nord possible. Mais à certains endroits au nord, là, on ne peut même pas y aller en avion parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Alors là, on va transférer, on va prendre des hélicoptères. On va se promener en hélicoptère pour pouvoir se déplacer beaucoup. Il n'y a pas de réseau de route très étalée non plus. Donc, on ne peut pas y aller en voiture. Là. Si vous allez vers le nord en voiture, vous allez arriver à un point où il n'y aura juste plus d'eau. Par contre, lorsqu'on ne se promène pas toujours en hélicoptère, des fois, les distances qu'on a à faire ne sont pas si longues que ça. Et à ce moment-là, après s'être déplacé en hélicoptère, on va utiliser la motoneige pour se déplacer. Il n'y a pas de route, mais l'hiver, puisque tout est gelé partout, on peut se déplacer où ce qu'on veut en motoneige, que ce soit sur les lacs, sur les rivières ou sur la terre ferme. On va traîner notre matériel sur des traîneaux derrière nos motoneiges. Ici, même sur la photo que vous voyez, ça ne paraît pas, mais présentement, je suis sur l'océan Arctique. L'océan gèle durant l'hiver tellement qu'il fait froid. Donc, on peut se promener dessus sans aucun souci. Parfois, on n'a pas autant de motoneige qu'on voudrait. Souvent, on a moins de motoneige que de scientifiques. Donc, on s'entasse à plusieurs là-dessus. Et puis, on fait ce qu'on peut pour faire notre travail avec les moyens qu'on a sur place. Une fois rendu sur le terrain aussi, certains peuvent penser qu'on se déplacerait en raquette. Vous avez sûrement déjà utilisé des raquettes pour vous déplacer dans la neige. En fait, en Arctique, on utilise rarement des raquettes parce que la neige est très, très, très dure. Il vente tellement en Arctique que la neige devient très compressée à cause du vent sur la surface et on peut marcher dessus sans même caler dans la neige. Il n'y a pas beaucoup de neige non plus en Arctique. On pourrait penser qu'il y aurait des mètres et des mètres de neige puisque l'hiver est très, très long, mais ce n'est pas le cas. Il fait tellement froid en Arctique qu'il y a rarement des nuages. En fait, l'humidité n'est pas capable de se créer dans l'atmosphère. Et si vous n'avez pas d'humidité et de nuages dans le ciel, il ne neigera pas. En résumé, il fait trop froid pour neiger en Arctique. Il neige quelquefois, mais c'est assez rare. Ce qui fait en sorte que même au milieu de l'hiver, on n'aura pas plus qu'une trentaine de centimètres, quarantaine de centimètres de neige. Vous voyez sur l'image, j'ai creusé jusqu'au sol, je n'ai même pas de la neige jusqu'au genou.
Donc, raison de plus pourquoi les raquettes ne sont pas très utiles en Arctique. Une fois qu'on s'est rendu en Arctique, on est sur place. Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va habiter? Eh bien, sur des camps de recherche. Vous voyez ici le camp de recherche à Inuvik. On a des grosses tentes ici, orange et blanche, dans laquelle on va surtout entreposer de l'équipement, mais aussi pouvoir vivre de jour, se faire à manger, se reposer lorsqu'on est fatigué. Vous avez ici une vue à l'intérieur de ces cabanes-là, où là, on a une cuisine, on a ce qu'il faut pour se faire à manger. Un peu comme en camping. Hein. Ce n'est pas une cuisine, peut-être qu'à la maison, vous devez avoir une plus belle cuisine que ça. C'est très minimal ce qu'on a sur le terrain, mais on fait avec. Vous avez ici mon équipe qui est en train de prendre un bon repas après une journée de travail, là, un repas bien mérité. Ces grosses tentes-là, par contre, dans lesquelles on peut vivre, sont trop petites pour qu'on puisse tous dormir dedans. Donc, en fait, on va dormir dans des tentes, simplement. Des tentes hein, qui n'ont pas de chauffage. Donc, il fait très froid en Arctique. S'il fait moins 30 degrés, moins 40 degrés à l'extérieur, ben, il fait aussi moins 30, moins 40 degrés dans les tentes. Par contre, on a des gros sleeping bags pour dormir dedans. Donc, on réussit à être assez confortable. Par contre, c'est très froid dehors. Assez constamment, la température en Arctique va rarement être plus chaude que moins 20 degrés Celsius. Donc, on trouve ça souvent froid au Québec, par exemple, lorsqu'il fait moins 20. Ben ça, en Arctique, c'est les journées chaudes. Les journées froides, on parle plus de moins 40, parfois même moins 45 degrés Celsius. Il faut donc s'habiller très, très chaud. Qu'est-ce qu'on porte comme vêtement pour pouvoir faire notre travail à l'extérieur? Ben, à peu près la même chose que vous devez mettre lorsque vous allez jouer dehors. C'est juste qu'on met des plus gros manteaux, des plus grosses bottes, des plus gros pantalons de neige pour être sûr de ne pas avoir froid. On va aussi utiliser du matériel qui est fait dans des tissus là, qui sont plus chauds que ce qu'on utilise souvent dans le sud. Donc, vous me voyez ici, assis en train de prendre des mesures sur la neige à ce moment-là, avec mon gros kit là, pour être sûr de rester au chaud. Question assez importante aussi en Arctique. Comment est-ce qu'on fait pour aller aux toilettes? C'est pas évident puisqu'on n'a pas de toilettes branchées là, dans le sol. Le sol est gelé en permanence. Donc, il n'y a pas de réseau d'égout pour déplacer les eaux. Donc, on a des cabanes dans lesquelles on peut aller aux toilettes. Par contre, pour se débarrasser des résidus là, qu'on crée, on va les brûler. Simplement, on a des toilettes incinératrices. C'est donc dire qu'une fois que vous avez fini de partir à la toilette, bien, vous partez un petit feu en dessous de la toilette puis vous brûlez ce que vous avez fait. Comme ça, on laisse seulement des cendres, beaucoup moins de déchets produits, une trace moins grande qu'on laisse sur le terrain. On rencontre souvent dans nos expéditions des animaux aussi. L'Arctique, c'est hostile, c'est froid, mais il y a beaucoup d'animaux qui vivent là quand même. On a par exemple des immenses hordes de caribous qui vont se déplacer, là, des hordes qui peuvent atteindre des milliers d'individus. C'est assez impressionnant à voir lorsqu'ils se tiennent tous ensemble. On a aussi des espèces de gros, gros bœufs là, qu'on appelle des bœufs musqués, avec des cornes là, qui n'ont pas l'air très, très, très gentilles, mais pourtant, c'est des grosses bêtes là, tout tendres, tant qu'on s'en approche pas trop. On a aussi des animaux un peu plus petits que ça. On va avoir des lièvres arctiques, des loups arctiques, des renards arctiques, des versions arctiques d'animaux qu'on connaît plus au sud du Canada. La grosse différence, c'est qu'ils vont être tout blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont tout blancs? Et c'est un meilleur camouflage avec la neige. C'est plus dur de les repérer. Donc, à la fois pour les proies et les prédateurs, c'est plus adapté. Plusieurs d'entre eux, lorsque l'été va arriver, par contre, parce que vous vous souvenez de la photo tout à l'heure, là, toutes les couleurs rouges, brunes là, du paysage. Si vous êtes tout blanc, on va vous repérer facilement. Donc, souvent, l'été, ils vont perdre ce plumage-là blanc pour le remplacer pour un plus foncé. On a des oiseaux qui vivent aussi en Arctique. Le lagopède, par exemple, qui est un peu une version arctique de la perdrix. C'est une espèce de petit poulet tout blanc avec des pattes pleines de poils. Parce que lorsqu'il se pose au sol, il va avoir froid aux pattes s'il n'y a pas de poils pour le protéger. Mais souvent, ce qu'on pense quand on s'imagine les animaux de l'Arctique, c'est évidemment les fameux ours polaires qui sont omniprésents. Il y a beaucoup d'ours polaires en Arctique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on est un scientifique et qu'on se promène en Arctique parce qu'ils peuvent être un danger pour nous. Donc, constamment, on guette pour savoir s'il y a un ours polaire qui s'approche. On a avec nous des outils pour les effrayer s'ils viennent trop près et qu'ils nous mettent en péril. Souvent, c'est des outils qui vont faire beaucoup de bruit. Ça va les effrayer beaucoup. Parfois, c'est des flashs de lumière. Ça aussi, ils connaissent pas trop ça, ça les inquiète. Ils vont normalement s'éloigner suite à ça. Et puis, tout le monde va rester en sécurité.
On a ici là, justement un petit ourson, en fait, là, qu'on avait croisé, là, qui s'amusait avec de la glace, sa mère étant pas trop loin pour le surveiller. C'est ça, c'est assez typique de voir une mère ours avec un ou deux oursons. Les mâles, d'habitude, vont être seuls et encore beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, c'est des bêtes magnifiques. Je parlais d'incidents avec les ours qu'on veut éviter. C'est déjà arrivé que des expéditions aient eu des incidents avec les ours. Moi, j'en ai jamais eu. Dans mes équipes non plus, toutes nos relations avec les ours sont toujours très, très bien passées. Chose importante en Arctique aussi, c'est la nuit, le jour polaire, que vous avez peut-être souvent entendu, et peut-être entendu parler. Ça, c'est un défi lorsqu'on travaille là-bas. C'est-à-dire que l'hiver, si vous vivez au Canada, l'hiver, vous vous êtes rendu compte sûrement que les journées sont plus courtes. Il y a moins de lumière durant le jour. Le contraste est encore pire lorsqu'on va au nord. Donc, en Arctique, l'hiver, il va faire nuit toute la journée. Le soleil ne va jamais se lever. Donc, nous, on doit, dans ce contexte-là, travailler à la lumière de nos lampes frontales, même au milieu de la journée. Cette photo-ci, ici, que je vous montre, où on travaille dans la neige, il est 1 h d'après-midi et il fait complètement noir. À l'inverse, l'été, le soleil va être dans le ciel toute la journée. Donc, on va avoir des journées de 24 heures. Ça, c'est un peu dangereux parce qu'il ne faut pas oublier d'aller se coucher. Sinon, après 2-3 jours, on commence à être très fatigué si on a oublié de dormir parce qu'il fait toujours clair à l'extérieur. Lorsqu'on y va l'hiver, c'est plus difficile en plus qu'il fait noir tout le temps. Mais un des avantages à cette noirceur-là, bien, c'est les magnifiques aurores boréales qu'on a la chance d'observer souvent. Un magnifique phénomène qui a lieu dans l'atmosphère proche des pôles, du pôle sud et du pôle nord, et qui crée de magnifiques lumières vertes qui vont danser pour nous dans le ciel. Et c'est très, très joli à observer. On ne se tente jamais d'en voir. On va probablement, même si on a eu des grosses journées de travail, s'il y a des aurores boréales dans le ciel, on va probablement rester réveillé un peu plus tard pour les observer. Et là, je vous parle d'expédition et tout, et comment est-ce qu'on réussit à survivre en Arctique. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Pour quelles raisons on se déplace? J'en parlais au début, c'est pour faire de la science, c'est pour collecter des données, comprendre qu'est-ce qui se passe en Arctique. Et moi, j'ai quelques spécialités, quelques domaines d'intérêt. Principalement, quand je me déplace en Arctique, ça va être l'hiver, parce que je les ai étudiés, la neige, qui est super important en Arctique. La neige, hein, c'est lorsque le printemps arrive, c'est beaucoup d'eau qui va se déverser dans les rivières, les bassins. Ça peut transformer l'hydrologie, la façon dont l'eau coule. Au Québec, par exemple, au nord du Québec, c'est de l'eau en banque pour les barrages hydroélectriques. L'électricité au Québec vient beaucoup des barrages dans le nord. Et s'il y a beaucoup de neige qui est tombée durant l'hiver, bien, ça fait beaucoup d'eau pour faire de l'électricité. Mais s'il n'y a pas beaucoup de neige qui est tombée durant l'hiver, ben on va avoir beaucoup moins d'eau pour faire de l'électricité. Et ça, ça peut jouer sur le prix de l'électricité, par exemple, qui va descendre si on a plus de neige. La neige, malheureusement, elle change beaucoup présentement. Comme je disais, on a de moins en moins. Elle reste moins longtemps aussi. C'est quelque chose qu'on étudie. On étudie aussi le pergélisol, le sol qui gèle depuis très, très longtemps. On essaie de regarder où est-ce qu'il dégèle, à quelle vitesse est-ce qu'il dégèle. Ça risque d'avoir beaucoup d'impact sur le climat en Arctique, mais partout sur la planète. Ce qui se passe en Arctique se déplace ailleurs. Lorsque le pergélisol dégèle, il va libérer des gaz comme le méthane, par exemple, et le CO2, le gaz carbonique, qui sont des gaz à effet de serre qui vont venir accentuer le réchauffement. Donc, c'est pas une bonne chose quand le pergélisol dégèle. Et ce réchauffement-là va se propager partout sur la planète, là, dont à nous. Aussi, sur place, on a des infrastructures, des routes, des bâtiments qui sont construits sur le pergélisol, qui est toujours gelé normalement. Mais lorsqu'il dégèle, les bâtiments, les structures vont se briser parce qu'ils ne sont pas supposés d'être faits sur du sol dégelé. On ne les a pas prévus comme ça. On a aussi le CO2, moi, que je m'attarde beaucoup, là, le gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. On étudie de plus en plus l'émission de gaz carbonique durant l'hiver en Arctique. Il y a des petites bébites, des petits microbes dans le sol qui vivent, même l'hiver, et qui respirent, comme vous et moi. Et en respirant, comme vous et moi, ben, ils émettent du CO2. Et on essaie de quantifier, de comprendre comment ces petites bébites-là fonctionnent. C'est beaucoup de mon travail. J'aurais pu rajouter la végétation aussi là-dedans, qu'on s'intéresse beaucoup. Plus il fait chaud, dans un réchauffement du climat arctique, plus la végétation va grandir, en fait. On a de plus en plus de végétation haute en Arctique, beaucoup plus qu'avant, à cause que l'environnement devient un peu plus chaud. Concrètement, comment qu'on étudie ces différents paramètres-là là, de l'environnement? Bien, c'est en creusant des trous dans la neige.
Donc, vous avez ici le petit accéléré du travail que je fais où on va aller sur un site. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Donc là, je suis en train de collecter des échantillons de gaz dans la neige pour essayer de voir quelle quantité de CO2, de gaz carbonique, les petits microbes ont produit. Ensuite, je creuse la neige pour aller voir les propriétés de la neige elle-même. C'est quoi sa densité, quelle quantité il y a, c'est quoi sa température. Propriété très importante parce que la neige vient isoler le sol. La neige agit un peu comme une couverture sur le sol durant l'hiver. Donc ça, on étudie ça de près. Là, c'est en accéléré ce que je vous montre là. C'est à peu près une heure de travail qu'il y a là en 30 secondes. Autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener pour regarder quelle quantité de neige il y a. Là, je vais montrer un trou à neige. Ça, c'est à un endroit précis. On regarde ce qui se passe très, très bien à un endroit. Mais c'est peut-être pas la même chose qui se passe 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin. Donc, pour ça, on va se promener avec des espèces de gros bâtons pour aller mesurer la profondeur de neige à différents endroits. Sur le dos, là, l'antenne qui sort du sac à dos de mon collègue, c'est une antenne GPS. Donc, à chaque fois qu'on mesure la profondeur de neige, on veut savoir où est-ce qu'on l'a pris. Donc, on prend un point GPS pour localiser l'endroit où on a pris la mesure. Encore mieux que de marcher toute la journée pour prendre des hauteurs de neige, on va utiliser des drones. Vous avez ici un drone en forme d'avion que mon collègue est en train de lancer dans les airs pour faire décoller. Ces drones-là, on va les utiliser pour survoler des grands territoires puis prendre des images. Il y a des caméras dessus. Puis à partir de ces images-là, on peut évaluer beaucoup de choses sur le type de végétation, le type de neige, la hauteur de neige même qui va se trouver en dessous. Tout ça, c'est quand on est sur place. On peut accomplir beaucoup de travail en peu de temps. Par contre, on n'est pas là toute l'année. On va se déplacer en Arctique quelques semaines pour prendre nos mesures. Après, on revient là, pour voir nos familles de l'eau mobile dans le sud. On aime ça aussi avoir des mesures continuellement en Arctique. Et pour ça, on déploie, lorsqu'on est sur place, des stations météo qui, elles, vont mesurer temporellement, donc vont continuellement dans le temps, différentes choses comme la force des vents, la direction des vents, la température de l'air, la hauteur de neige aussi, on est capable de mesurer ça. Et eux vont mesurer ça tous les jours, même si on n'est pas là. Il faut aller les voir de temps en temps parce que ces stations-là vont briser, vont être endommagées parfois. Il faut les réparer. Les ours polaires, justement, sont très, très curieux et aiment beaucoup nos stations météo. Je suis souvent arrivé en Arctique sur des sites qu'on avait où les stations météo étaient brisées par les ours polaires. C'est des bêtes très, très fortes qui sont juste curieuses, mais après ça, nous, il faut passer derrière pour réparer les dommages qu'ils causent. Et finalement, là, je vous parlais beaucoup de tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, de la campagne à Inuvik que j'ai fait l'hiver dernier. J'ai fait plusieurs autres campagnes qui ont tous différentes un peu propriétés sur comment qu'on se déplace, où est-ce qu'on vit. Un autre endroit que je vais souvent, c'est Cambridge Bay, au Nunavut, où là, c'est un contexte complètement différent. À Cambridge Bay, il y a plusieurs années, le Canada a installé une grande station de recherche. Donc, l'image que vous voyez là, c'est la station de Cambridge Bay au milieu de l'Arctique. C'est absolument exceptionnel d'avoir ça. C'est un grand bâtiment où on peut faire de la science, beaucoup de science, où on peut être beaucoup de scientifiques. Et à ce moment-là, on va être beaucoup plus confortable parce que là, on va avoir des lits pour dormir au lieu de dormir dans des tentes et puis des vraies cuisines pour se cuisiner. Donc là, c'est un peu plus facile de faire notre science à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on y va. Un autre type de campagne complètement différente que j'ai participé aussi, c'est sur l'océan Arctique. Où là, si vous voulez vous déplacer sur l'océan Arctique, là où il y a beaucoup d'eau, de l'eau glacée, bien, vous devez y aller dans un brise-glace. Donc, on va se déplacer dans un brise-glace. Et c'est à partir du brise-glace qu'on pouvait prendre nos mesures, prendre nos données sur la neige que sur la glace, mais aussi sur la glace elle-même puis l'océan qui est en dessous. Donc, plein de campagnes un peu différentes, mais j'espère avoir pu vous donner une vue d'ensemble de quel genre de travail qu'on fait à Savoir Polaire Canada, puis qu'est-ce qu'on peut réaliser à travers tout ça. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Je vais m'arrêter là tout de suite pour qu'on puisse passer là, au quiz Kahoot, mais je vais me faire plaisir après de prendre vos questions et tenter de répondre au mieux de mes connaissances. Merci Alex, wow, c'est vraiment un autre monde, on dirait, là où vous travaillez, c'est super intéressant. Alors, on va caouter, si c'est un verbe, pourquoi pas.
Alors, vous pouvez vous connecter sur kahoot.it avec le code 841-5504. Alors, on a quelques participants déjà, c'est génial. Et si vous ne pouvez pas vous connecter, ce n'est pas grave, vous pouvez jouer dans vos salles de classe entre vous et vous pouvez nous envoyer dans les commentaires c'est qui a gagné, quelle équipe. Ça fait vraiment beaucoup plaisir de jouer comme ça. Alors, c'est parti, on y va. OK, on commence avec la première question. Quel pourcentage du territoire canadien est en Arctique? Alors, soit 10%, 20%, 40% ou 60%? De 1 et voilà, 40% et on a 6 bonnes réponses. Alors, Witty Yak. Félicitations aussi, Melodic Raven. Très, très bien. Alors, prochaine question. Où se trouve Inuvik? À Nunavut, territoire du Nord-Ouest, Yukon ou Québec? Faut bien réfléchir. Inuvik. 5 secondes. 3, 2, 1. Territoire du Nord-Ouest. Pas beaucoup de bonnes réponses, mais quand même, il y en a 8 bonnes réponses. Ça, c'est très bien. On va voir c'est qui le leader. Ah non, on passe à la prochaine question. Quel gaz libéré par le dégel ou pergélé sol contribue grandement au réchauffement climatique? Quel gaz libéré par le dégel? Le vapeur d'eau, l'éthane, méthane ou azote? Vapeur d'eau, éthane, méthane, azote. 3, 2, 1, 0. Méthane. Beaucoup de bonnes réponses. Ça, c'est bien. Proud ant, amazing iguana, proud bison. Bien. Alors, quatrième question, c'est la dernière question. À quel moment de l'année est-ce qu'il fait nuit toute la journée en Arctique? Est-ce que c'est l'hiver, l'été, le printemps ou l'automne? Cinq secondes. Il fait nuit toute la journée. 3, 2, 1. Et bien sûr, c'est l'hiver. Très bien. Alors, en troisième, Witty Yak. Deuxième, Proud Bison, 3 questions sur 4. Et en première place, on a, bien sûr, Proud Ants, 4 sur 4. Wow, excellent. J'adore les Kahoot, c'est trop, trop fun. Bien. Alors, moi, j'ai quelques questions pour vous, mais on a aussi la classe de Madame Victoria qui est avec nous aujourd'hui. On va leur dire bonjour. Salut, la classe de Madame Victoria. Et vous pouvez allumer le micro. Dites bonjour, les amis. Bonjour. Vous avez des questions pour Alex? Les amis, est-ce qu'on a des questions? Non? OK, réfléchissez. J'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà mentionné, mais ça fait combien de temps que tu travailles en Arctique? Est-ce que ça fait combien d'années? Oui, moi, ça fait maintenant 6 ans que je travaille en Arctique. Dans mes premières années, j'accompagnais des équipes et puis on me montrait comment ça fonctionnait des expéditions en Arctique. Mais avec les années, j'ai acquis de l'expérience. Puis maintenant, c'est moi qui parfois va mener ces expéditions-là, donc va les organiser directement. Donc, une progression comme ça qui se fait avec les années. Parfait. Merci. On va revenir vers vous, la classe de Madame Victoria, si jamais vous avez d'autres questions. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est manger. Alors moi, j'aimerais vraiment savoir, quand vous cuisinez dans cette tente que vous avez montrée avec la cuisine et tout, on a même vu les gens qui mangeaient dans les bols. Pour vous, c'est quoi votre repas préféré après une très, très, très longue journée de froid, de recherche, de science? C'est quoi votre repas idéal de manger dans la tente avec votre équipe?
Typiquement, ce qu'on va manger après une grosse journée, ça va être des pâtes. Je dirais un bon spaghetti. C'est réconfortant. Mais aussi, j'oserais dire qu'on n'a pas beaucoup le choix lorsqu'on se déplace en Arctique. Il faut amener toute notre nourriture. Il n'y a pas d'épicerie pas loin pour s'approvisionner. Fait qu'on amène toute la nourriture, idéalement de la nourriture déshydratée. Donc, des pâtes, c'est bon, ou des repas déshydratés. C'est beaucoup moins lourd, plus facile à transporter. Fait que c'est beaucoup ça qu'on va manger. On mange beaucoup la même chose aussi. Donc, ça, il ne faut pas trop... faut essayer de ne pas se tanner. Donc, c'est pas mal à ça que ça ressemble. On essaie d'avoir des choses qui se préparent rapidement aussi. Souvent, on est très fatigué après une journée de travail. Donc, on aime ça quand ça va assez vite. On va déjeuner, on va souper. Souvent, on ne va pas dîner parce qu'on travaille toute la journée. Notre temps est précieux. Là, sur place, on n'est pas là longtemps. On veut en profiter au maximum. Donc, souvent, on ne va pas dîner. On va juste manger continuellement toute la journée, des collations. Idéalement, des choses très caloriques. Quand il fait froid, on perd beaucoup d'énergie, même si on ne travaille pas, même si on ne force pas. Le froid, ça fait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on veut manger des choses caloriques. Donc, des pâtes, c'est très, très bon, c'est très calorique. Mais durant la journée, on n'hésitera pas à manger là, des barres de chocolat, des biscuits, de la nourriture très, très calorique parce qu'on va la brûler rapidement. Alors, il faut juste devenir scientifique pour pouvoir manger des biscuits toute la journée. Exactement. C'est pas mal comme stratégie. On a la famille Plamondon qui nous rejoint sur YouTube et ils ont une question. Est-ce que vous voyez des animaux de proche? Est-ce que c'est de proche ou toujours de loin? Oui, ça peut arriver que c'est de proche. Souvent, on n'aime pas trop ça, que ça soit trop proche. En fait, l'hiver dernier, par exemple, il y a un renard arctique qui s'est approché de nous. On était en train de travailler et puis il est venu à... je dirais un mètre de nous. Donc, je considérais ça comme étant très, très proche. Rendu à un mètre, on aime moins ça, cette proximité-là, avec une bête qu'on ne sait pas trop comment elle va réagir avec nous, elle pourrait essayer de nous mordre. On est très loin des soins de santé. Donc, lorsqu'il s'est approché aussi près que ça, en fait, on s'est assuré de l'effrayer pour qu'il se sauve. Les ours polaires, moi, j'ai jamais eu... Le plus proche que j'ai été d'un ours polaire, c'était à quelques mètres. Par contre, j'étais sur une plateforme surélevée, donc il n'y avait pas trop de risques. Les ours polaires, eux, dès qu'ils approchent, dès qu'on les voit loin à l'horizon, on commence déjà à essayer de les effrayer. On ne veut vraiment pas qu'ils s'approchent de nous. Ça peut être plutôt dangereux. Donc oui, je dirais assez proche, ces animaux qui souvent sont pas si craintifs que ça. Puis plus qu'il n'y a pas de végétation, plus qu'il n'y a pas d'arbres, on les voit super bien, même s'ils sont à 10-20 mètres de nous. Ils n'ont pas de manière vraiment de se cacher. Non, exactement. Il n'y a pas de façon de se cacher en Arctique. C'est très difficile pour eux. Super. Alors, on a une question de la classe de Madame Victoria. Alors, on va leur faire rejoindre le stream. Salut. Bonjour. Emily, j'ai une question. Est-ce que tu as jamais avoir du comme hypothermia? L'hypothermie, oui, c'est un danger continuel lorsqu'on est en Arctique. Lorsqu'on travaille dans des froids aussi intenses, toute la journée, on est continuellement en train de se réchauffer. C'est quelque chose que je pense là, constamment à partir du moment où je me lève le matin dans mon sleeping bag, puis qu'il faut que je sorte à moins 40, je commence à me réchauffer, je commence à penser à ça. Il faut continuellement se sonder nous-mêmes pour être sûr de ne pas se ramasser avec des problèmes. Constamment être proactif à savoir est-ce que je commence à avoir froid aux doigts, est-ce que je commence à avoir froid aux pieds, tout de suite agir. Moi, je n'ai jamais eu de graves problèmes. J'ai toujours réussi à bien gérer ma température. Ça m'est arrivé une fois d'être en expédition avec un collègue qui, lui, est tombé dans les premières phases d'hypothermie. Et là, c'est assez critique lorsqu'on tombe là-dedans en Arctique parce qu'on est loin des services de santé. Donc, nous, à ce moment-là, là, c'est la priorité, c'est la sécurité. On avait laissé tomber tout le travail puis on avait mis en place des moyens pour réchauffer la personne qui commençait en hypothermie. Et puis la ramener à un niveau stable, ce qu'on a réussi à faire dans des délais raisonnables. Donc, on n'a pas eu besoin d'évacuer. Parce que ça aurait été l'autre étape. Si quelqu'un tombe vraiment en hypothermie, qu'on n'arrive pas à la réchauffer, bien nous, on a un protocole pour évacuer rapidement les lieux. Je dis rapidement, ça va quand même prendre plusieurs heures parce qu'on est loin, mais ça va impliquer là, d'appeler un hélicoptère pour qu'il vienne nous chercher le plus vite possible.
Alors, il y a quand même un peu de danger, un peu de, d'intrigue, même, même si on est là pour faire des recherches. Moi, j'aimerais savoir, parce que ça, ça se voit, ça s'entend, que pour vous, votre travail, c'est vraiment une passion. Alors, comment vous avez trouvé cette passion et qu'est-ce que vous avez étudié à l'école qui a peut-être réveillé cette passion en vous? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours aimé jouer dehors. Très jeune, j'aimais beaucoup les sports d'hiver, que ça soit courir dehors, faire de la raquette, du ski de fond, du ski alpin. Donc, l'hiver, ça a toujours fait partie de moi. Vivant au Québec, l'hiver était très accessible, durait très longtemps. Ça tombait plutôt bien. Lorsque j'étais rendu, en fait, au cégep, j'ai pu commencer à travailler sur des projets de recherche qui n'avaient pas de lien avec l'article. Mais ça, ça m'a donné le goût, la curiosité de faire de la recherche scientifique, de me poser des questions. Et tout naturellement, après ça, une fois rendu à l'université, les questions que je me posais en général sur comment le monde fonctionnait autour de moi, comment ça se produit de la neige, pourquoi est-ce qu'il neige, pourquoi est-ce qu'il y a des changements aussi, pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins de neige au Québec avec le temps, bien, ces questions-là m'ont poussé naturellement à étudier l'Arctique, parce que l'Arctique semblait pour moi l'épicentre de tous ces changements-là. C'est l'endroit dans le monde où les choses changent le plus rapidement présentement avec le réchauffement climatique. Donc, si vous voulez étudier ça, ben, c'est vraiment l'endroit à aller, l'endroit où on peut le voir le mieux. Génial. Alors, on a encore des questions. On a des jeunes cerveaux qui désirent plus. Alors, la famille Plamondon veut savoir, est-ce qu'il y a des crevasses en Arctique? Très bonne question. Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes sur la terre ferme, comme à Inuvik où je vais, non, parce qu'il y a peu de neige et on est proche du sol. Si vous allez sur l'océan Arctique, ce que j'ai fait aussi, oui. Et là, c'est un souci à avoir constamment en tête. Lorsque vous êtes sur l'océan Arctique, vous avez probablement entre 50 cm à 10 mètres de glace sous vous. Difficile à savoir. Et il y a constamment des crevasses qui se forment, qui s'ouvrent et qui se referment. C'est très, très dynamique. Et là, il faut faire attention. Dans ce contexte-là, nous, on va avoir en permanence quelqu'un d'attitré qui va être sur le bateau, sur le plus haut possible sur le bateau. Tout ce qu'il va faire de sa journée, c'est d'essayer de repérer s'il y a des craques dans la glace qui se forment pour nous le communiquer le plus vite possible par radio. Puis s'il y a une glace, s'il y a une craque qui se forme près de nous, on va rentrer très rapidement, ce qui arrive assez fréquemment. Donc ça, il faut faire attention. Si vous êtes sur la terre ferme, mais que vous allez sur des glaciers, là, il va y avoir des crevasses aussi qui peuvent être très, très profondes, de plusieurs mètres. Là, il faut aussi faire attention. Dans ce cadre-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'encorder. On va tous s'attacher avec une corde. Comme ça, si quelqu'un tombe dans une crevasse, on va le retenir, puis il y aura plus de peur que de mal. Donc, ça dépend des circonstances, mais ça peut arriver que ça soit un souci. OK. Alors, on passera à la dernière question de la classe de Madame Victoria. Encore une fois, c'est à vous. OK. On a une question ici de Léa. Léa, tu peux t'approcher, vas-y. Combien d'ours polaires restent dans l'Arctique? Combien d'ours polaires restent dans l'Arctique? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, je ne suis pas un écologiste. Je travaille avec des écologistes. Eux pourraient plus répondre à cette question-là. Moi, je travaille plus sur les variables environnementales comme la neige, puis le sol et la végétation. Il en reste encore beaucoup, je dirais. Les populations sont encore grandes. Le problème avec les ours polaires, c'est qu'ils vivent très difficilement les changements climatiques présentement. Eux, ils dépendent beaucoup de la glace de mer pour aller se promener sur la glace de mer et puis attraper des phoques qui doivent sortir pour respirer. Plus il y a de glace, plus c'est facile pour eux d'attraper des phoques. Présentement, il y a de moins en moins de glace de mer et ça diminue très rapidement. Donc, ils ont de plus en plus de difficultés à chasser. Alors, on s'inquiète beaucoup pour les ours polaires parce qu'on a peur que rapidement, ils ne réussissent plus à chasser suffisamment de phoques pour manger à leur faim. Puis lorsqu'on ne mange pas à sa faim, bien, on peut mourir de faim. Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Même si présentement, ça ne va pas trop mal au niveau du nombre d'ours polaires, ça pourrait diminuer très, très, très rapidement dans les années à venir s'il n'y a rien qui change. Ah, merci beaucoup, Alex. Je pense que, surtout moi, mais j'espère aussi que les autres gens qui sont avec nous aujourd'hui ont beaucoup appris aujourd'hui de votre expérience, mais aussi de votre passion pour votre travail. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci la classe de Madame Victoria d'être avec nous.
Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.